Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. Quand vous verrez cet épisode, la release sera sortie, mais on est toujours, comme vous pouvez le voir, sur la version presse pour l'instant, car même si je tourne cet épisode après la release, j'ai un petit bug sur la version release qui fait que je n'ai pas les régiments de renom. Alors voilà, je suis resté sur la version presse, comme ça au moins on les aura pour l'instant, le temps que je trouve d'où ça vient. On a également désormais la possibilité de vous montrer... Alors, les champions du chaos, mais vu qu'on n'a pas fait une campagne dessus pour l'instant, c'est pas très thématique. Et surtout, le DLC avec les effets de sang, etc. Donc on verra en bataille ce que ça donne. On a Gaelden l'amoureux qui nous rejoint, on a les Broubrou également, les écuyers d'Akkad qui nous rejoignent. On a la Horde ici qui nous rejoignent également. Il nous reste quelques chevaliers du royaume, j'ai eu pas mal de noms proposés pour des paladins, donc il va falloir en recruter. On a également ici Malvinette de la Tresse, désormais, qui est avec nous. Donc si vous voulez renommer des régiments, n'hésitez pas, sinon bah, les paladins, je les dépilerai au fur et à mesure qu'on pourra en acheter. Du coup, on en était à lancer l'assaut sur Axlolt. Alors sachant que Axlolt, il est en train d'améliorer ça, ça va lui prendre 3 tours, donc il faut qu'on attaque avant 3 tours. Son armée ici est pleine. Avec des unités globalement merdiques, à part quelques notables exceptions. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre de s'être remis. On peut se permettre, comme on n'est pas plein, on a tout intérêt à attendre d'être full avant d'attaquer, puisque lui, de toute façon, ne pourra rien recruter de plus. Donc on n'a pas de raison de se précipiter. Par contre, quand je pense que ce que je vais faire, c'est fusionner un max les unités, et peut-être qu'on virera une unité de paysans. Peut-être ici pour pouvoir prendre justement cette sympathique unité qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de versabilité contre eux là. La cavalerie contre eux est très très bonne, alors leurs bouffies là sont un peu relous, mais ça devrait le faire. Alors ici, est-ce que on se recule? Je pense que oui. On va aller tranquillement par là, du côté de Klangsa. S'il veut nous réattaquer, ça peut être intéressant d'être dans le coin. Et on passe au tour de nos ennemis. Alors c'est dommage qu'Ilza ait pas poussé jusque là, mais bon, c'est pas très grave. Alors ici s'il nous attaque, c'est l'idéal. Il se met en mode campement, d'accord. Du coup, ça va peut-être carrément valoir le coup de leur sauter dessus. On va peut-être pas attendre comme prévu. Alors lui, il se balade. Bon, il fait sa vie, très bien. Guerre déclarée avec les vipères bleus. Vipères bleus, qu'est-ce que ça peut être, du Norska? Bon. Ça nous concerne pas trop, a priori, pour l'instant. Ici du coup, bon, on est parmi puisque j'ai fusionné les unités, mais on peut recruter eux. Par contre, on va avoir trop de pécores, donc on va se débarrasser d'une unité de paysans. Normalement, c'est instantané de les recruter. On a terminé nos grands murs ici, donc là on est plutôt bien. Ça c'est cool. Et donc là, bah, on a tout intérêt à leur sauter dessus, en fait, hein, je pense. Parce que là, pour le coup, ils sont sortis de la ville. Alors, on pourrait attaquer la ville directement. Si on attaque la ville, est-ce qu'ils viennent en renfort? Ils viennent pas en renfort. On pourrait attaquer la ville directement. Après, le problème, c'est que Glenn Lepec, là, il y a des murs, mais il pourrait l'attaquer cash. Donc non, je pense qu'on va lancer l'assaut sur eux. Ce serait une victoire de justesse, mais une victoire quand même, donc on va la faire en auto, c'est parti. On prend l'argent, on se débarrasse d'eux. Alors, on a tué Timothy Rogers et on a débloqué les chevaliers du cœur de lion. Ça a l'air de déconner moins quand même. Alors, obtenu, on gagne plus de chevalerie parce qu'on exécute nos prisonniers plutôt que
les tuer. Oh, putain, la vache, ça nous a cramé notre mouvement par contre. Est-ce qu'on peut passer en mode campement? On pourrait passer en mode campement. Donc on va se permettre de passer en mode campement pour se reformer un peu. Et on pourrait recruter eux pour 1200 balles et seulement 300 d'entretien. On prend. On passe à 20 unités. Et on va pouvoir prendre un petit niveau. Une vertu de sollicitude. Non. On a peut-être mieux quand même. Engin de guerre, on n'en a pas. On peut booster un petit peu tout ça. On peut booster nos paysans. Les paysans, de toute façon, on va les utiliser clairement. Puisque c'est les seuls archers de la faction et que j'aime bien avoir des archers. Alors, toi du coup, tu peux aller chercher quoi? Plus 3% de PV, plus de puissance des armes, il a déjà 430, hein, c'est pas mal. Hop. Ah, on peut prendre l'entraînement. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que, mine de rien, même les pécores expérimentés, ils font quand même mal. Qu'est-ce qui a survécu? Ah, les bouffis, ils ont pas explosé, quoi. Ok, c'est plutôt cool. On va pouvoir passer le tour et ensuite leur sauter dessus. Ici on va se poser là, toc, on protège, alors on va voir si jamais une armée décide de paraître. Si on regarde la balance de force, globalement ils sont dans le mal, hein. On va pas se mentir. Est-ce que quelqu'un accepterait des petits trucs? Une alliance, non, absolument pas. Il n'y a pas moyen, ici on est en train de faire... des petits murs finalement, puisque c'est notre avancée et qu'on va probablement se taper une rébellion. C'est parti, on passe le tour. Alors du coup je sais pas si le truc de 20 pour l'instant est pas utile, mais une fois qu'on sera avancé sur leur territoire, ce sera plus intéressant. J'espère qu'ils a, non, il va pas me piquer la ville sous le nez, ça ferait chier. Là il va se replier bien sûr, hein, donc on va pas le poursuivre pour l'instant. On va prendre sa ville et après on avancera comme ça. Il y a peut-être des Skaven ici. Ok, l'expédition du Janenmark fait sa vie. Lui on n'est pas en guerre, c'est dommage parce qu'il était en guerre contre les éveillés. Il aurait pu foutre un peu la merde, mais visiblement il est pas motivé. Donc on va continuer comme ça bien sûr. Il se balade, je crois pas qu'il augmente notre chaos. Alors qu'est-ce qui se passe? Une grande migration vient à nos frontières, demande refuge face à de plus grandes menaces. Un peu moins d'autorité, mais coûts de recrutement réduits ou on fait rien. On va les accueillir. L'autorité est certes un problème, mais ça peut être intéressant d'avoir plus de recrutement. On pourrait fusionner quelques unités, peut-être lancer l'assaut avant. On va voir à quoi ça ressemble. On perdrait la horde, c'est dommage, ce serait dommage. Encerclons-les. Ah mais il n'y a pas de mur, attendez. Non, il n'y a pas de mur. Oui, donc non, on va la faire... on va la faire à la main, quitte à laisser les paysans un petit peu en sécurité. C'est parti. Peu de chance que nos unités de paysans se fassent laminer par des tireurs au pistolet. Encore que les tours peuvent faire mal. Ils ont pas de champions, nous les nôtres sont bien remis, on a quand même des boucliers, on va peut-être laisser eux un peu à l'arrière du coup. On va voir comment ça se présente. On va avoir de la cavalerie pour pénétrer dans toute la ville en furie, aller bousculer du monde. Eux ils ont fait en déplacement, ce qui peut être chiant, mais ça reste des zombies, donc ils se déplacent à deux à l'heure. Ouais, les régiments de renom surblindés, ça fait quand même plaisir. Oula. Alors, comment ça va se passer? Ok. On a un passage là qui est assez facilement défendable, mais qui ouvre vers le centre et vers ce truc là. On a ici. Ici c'est un peu plus facile à attaquer, j'ai avec trois passages à défendre, il peut se mettre ici mais il nous ouvre les deux. Là il n'y a pas d'entrée, ici c'est pareil. Et là on a les trois entrées. Ok, donc on pourrait effectivement faire deux...
peut-être deux escouades. Ici on va foutre lui, on va prendre la cavalerie de qualité et une unité comme ça, voilà pour l'assaut. Et on va en faire un autre en face avec toi du coup. Toi. On veut toi et on veut, je crois, toi. Hop. De l'archer également pour commencer à les harceler assez vite. Et les trois unités qui restent là, c'est cela. Ok, très bien, c'est parti. Alors à quoi ça ressemble? Ici on a du zombie, ici on a de l'artilleur. Ce qui veut dire que là on se met en lance et on charge. Ici on charge par ici, là on court, les écuyers d'Akat ils vont tracer par là-bas, les archers ils courent jusqu'ici, après ils font leur vie. Toi mon gars, charge là-dedans également. Et les chevaliers du royaume, non, les chevaliers du royaume ils vont courir par là-bas, les écuyers d'Akat ils vont aller aider à faire tomber ça. Ok, c'est pas mal. Ensuite en face. En face, c'est à peu près similaire. Du coup, vous, formation en lance, vous me défoncez ça. Toi, tu vas charger également. Ici, les hommes d'armes, ils vont foncer là et là. On va envoyer également les archers commencer à tirer là-dessus. Ici, on pourrait se faufiler par là. Aller chercher ça peut-être. Ouais, faut filer par ici, aller chercher ça. Rapidos. Il reste les broubrous qui font rien, ils vont aller aider à faire tomber ça. Allez, c'est parti. En avant. On y va, on perd pas de temps. Vous bougez pas, c'est parti. Alors là, il y a une barricade qui est en train de se fabriquer. Alors là on a la petite charge. Ici ça donne quoi là? On les a chopés. C'est vrai que la lance ils vont moins vite. Hein. Donc là on fait le virage. Ok, ici. On est en train de les choper. Bon, les lanciers vont être moins efficaces dans le contexte, donc en avant. Courez par ici, vous. Ici, on est engagé. Choper les dos. Là, ils sont en train de se déplacer comme ils peuvent, c'est-à-dire font pas grand-chose. Ici, on les défonce. Il y a du boucanier qui arrive. Ici on est en train de prendre le point, c'est parfait. Là, venez prendre ce point vous. Placez-vous par là. Là ça va tomber. Alors notre cavalerie, aucun problème à défoncer ça hein, bien sûr. Allez, ici c'est parti, on y va. C'est vrai que t'as un Pégase toi aussi maintenant. Là on va les charger de dos, ça devrait leur faire un peu plaisir. Comptez-vous vous, histoire de tirer sur ça. Là on va commencer à prendre la zone. Eux il n'y a pas trop de soucis. Ici on est en train de prendre le truc. Là ils se détournent. Cavaliers de cœur de lion qui prennent tranquillement aucun dégât. On va se détacher, enlever ça. Toc. Pour aller vous choper cela. Donc eux ils sont lents à capturer, c'est normal. Hein.
Là on est bloqué par ça. Il y a une tour ici qui est détruite, parfait. Ici on a bientôt pris ça. Merde, là on s'est fait choper par les zombies, s'il vous plaît. Gérez-moi ça. Alors ici, on envoie la cave. C'est parti. Ici on prend la pointe, nickel. Vous avez qu'à tirer là-dessus, vous, ça fera de la place. Là la cavalerie elle arrive pas à se dégager, hein. Si, ça y est, petit à petit. Bon, ça fait ça s'effondre. Ça devrait vite disparaître, ça y est. Il fait mal la barricade, ouais quand même, hein. Même avec les petits archers, ça fait le taf. Là il reste quelques unités, voilà, terminé, parfait. Et on n'a rien perdu. Ah oui, alors je vous ai pas trop montré les effets de sang, c'est vrai, mais bon, sur du zombie, normalement il n'y en a pas des masses. Et vu que nous on n'a pas trop perdu de troupes, c'est pas trop mon trip, j'avoue, ce DLC, hein. Mais je sais que ça plaît, donc... J'essaierai de penser à vous montrer un petit peu ça. Des fois, j'ai pas besoin d'une vision d'ensemble, n'est-ce pas? Je parie, je vous ai pas coupé les chargements parce que j'avais des choses à dire pendant ce temps-là. C'est pas très grave, on va se retrouver sur la carte de campagne dans un instant, de toute façon. Et on va bien sûr occuper cette sympathique cité. C'est parti. Obtenu en remportant plus de 90% des batailles. D'accord. Parfait. Et en remportant des batailles offensives, pardon, on gagne encore plus 5. Et donc on a gagné Tempête, un hippogriffe pour Alberic. Ça c'est beau. On gagne 14 par tour avec nos traits positifs maintenant. Ah oui, alors c'est vrai que j'avais pas montré, mais j'ai remarqué ça tout à l'heure. On a la bénédiction de la dame qui est active sur cette armée, qui fait que tant qu'on ne bat pas en retraite, on a plus 20% de résistance physique. Et là, on l'a bien vu, hein, on n'a rien perdu sur cette bataille. Hein. Clairement, c'était tranquille. Donc on a gagné Tempête, un petit hippogriffe. Alors là, ils vont douiller leur maman. Est-ce qu'on prend un peu de corruption? Non, du coup de recrutement ça me paraît pas mal. Notre paladin n'a pas pris de niveau par contre. Ok, très bien. Ici on peut construire le niveau 2, on y va. Alors ici on pourrait faire du bois. Alors niveau commerce... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, en commercer avec personne. Cela dit, on peut pas encore faire de mur. Est-ce que ce serait pas plus intéressant du coup de monter ça à la place? On va faire du bois, moins 5%. Pourquoi moins 5%? Bon, rien que le coût de recrutement de moins 20%, il est hyper intéressant. Ça, y a pas photo. On a perdu un péon. Pas perdu une unité ici. Ah, lui, il comptait peut-être pas, même s'il est là. J'ai pas fait attention quand je l'ai recruté si ça avait compté ou pas. Bon, tant pis pour moi. On sait qu'on a... Ah bah non, mais non, mais je suis bête. Non, si, on était à 17 sur 18, là on est à 20 parce qu'on a une nouvelle ville, donc non, c'est bon, ça, il nous en manque un, donc c'est-à-dire que le régiment de renom doit pas compter. Du coup... Ça fait quand même chier d'avoir... Bon, ça va, on est quand même bien protégé à Bregon, mais comme capitale, c'est toujours embêtant d'avoir des colonies mineures. Alors ici, c'est en ruine, et on n'a pas de corruption Skaven... du tout, donc je pense que ça doit être effectivement juste une ruine, donc on avancera par là au prochain tour. On va poursuivre cette armée et on va aller s'occuper de faire tomber définitivement notre copain ici. Bon là par contre ça va peut-être pas être la même, hein. J'aimerais bien un pack de non-agression avec eux, ce sera intéressant quand même. Parce que si nous tombe dessus, ça va être embêtant, hein, pas se mentir. Là, on va se déplacer tranquillement par ici. Est-ce que d'ailleurs on resterait pas... On va peut-être rester à... Non, on restera, je pense, peut-être dans cette zone-là pour pouvoir recruter. Ici, on peut rien recruter. C'est tout pété ici.
Donc ouais, on se mettra peut-être là pour recruter si jamais on voit l'ennemi arriver. On est en train de faire une autre armée ici, mais son armée précédente on la voit pas. Hein. En termes de rapport de force, bah son armée précédente a dû se faire défoncer la tronche par quelque chose. J'y ai pas fait attention, c'est tant mieux. Là, il est en train de gagner face aux Skaven, ce qui nous va très bien. On va donc passer au tour de nos ennemis. C'est parti. Et on boit un coup. Ilza est très puissant pour l'instant. S'il voulait nous faire chier, il aurait la capacité de le faire. On va donc espérer qu'il n'en a pas envie. Ok, cette ordure abjecte qui se tient devant moi. Un traité de paix, non. Non, non, non. Je laisse pas un vampire dans mon dos. Ah, Luthor est de retour sur le champ de bataille, visiblement. Oula. Petit lag, là, sur le dézoom, excusez-moi. Je pense que le jeu ne lag pas du tout, je pense que ça doit être... ça doit être des glitches du passage de tour. Ah, voilà, c'était fluide. Alors, toi, tu fais quoi de ta vie? S'il nous attaque, il va faire chier, mais pour l'instant, il n'y a pas à casser les couilles. Il fait rien de très très utile. Il fait même pas baisser la... monter la corruption. Ok, on peut directement attaquer là, c'est parfait. Ici... Ah, il est passé là. Et il a des artilleurs pirates zombies. Mais ici, on a nos murs, normalement. On n'a pas encore de murs, mais on a une armée quand même... Certes de paysans, mais qui devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Vous me direz hein, pourquoi ne pas avoir envoyé Malvinette ici, parce que... ah, s'il y a du Skaven, fait chier. Alors annulons pour l'instant, étudions la situation. Qui vous êtes-vous? Ils sont assez forts. Ils sont probablement tous là. Pour l'instant, on va continuer notre route, si on peut. Avancer le plus loin possible, tant pis. Alors ici, c'est un peu la merde. Hein. Donc la corruption Skaven ne monte pas parce qu'ils sont trop faibles, mais... c'est quand même problématique. Instabilité provinciale, ça va sauter, les événements... Niveau d'autorité... Ouais, pour l'instant on n'est pas stable. Il va falloir qu'on fasse du bâtiment qu'il faut. Alors par contre, je sais pas pourquoi on a moins 5% sur tous nos revenus là. Enfin, est-ce que c'est sur tous nos revenus ou est-ce que c'est sur les revenus de moins 3%? Ouais, non, c'est sur tous nos revenus. Ici on est à plus 4. C'est peut-être la province là qui a un... un effet quelconque. Parce qu'ici, si on prend un truc qui génère, on a plus 2%, ce qui est pas non plus oufissime. Là, on a 0 malus. Ce serait bien que des gens acceptent du commerce quand même à un moment. La Bretonie n'existe plus, quoi. Enfin, elle existe encore, mais on la connaît pas. Est-ce qu'on peut pondre un agent? Non. Il ne peut pas pondre un agent. Donc on peut pas envoyer un agent découvrir un petit peu la zone. La demoiselle elle est là. La tombe du Graal, ouais. Bon bah on va faire sans commerce pour l'instant, c'est pas grave. Hein. Toi on a dit, tu vas retourner de ce côté-là de la frontière. Et tant qu'à faire... ah oui non, si tu te mets en embuscade, tu perds de la chevalerie, c'est très bête. Du coup, tu vas te mettre en camp. Voilà. Et on passe le tour. Et on va voir un petit peu si Luthor a envie de se frotter à nous. Ou éventuellement Itza, bien que ça m'embêterait un peu. Alors je sais que vous voulez me voir combattre le chaos, mais pour l'instant, eh bien, le chaos, à part Tinch un peu là-bas, là, n'est pas trop au programme. On va se contenter de contes vampires, enfin de côtes vampires d'ailleurs.
Et je pense que c'est pas improbable que derrière on parte sur les Skaven, parce que nous on charge de la province portuaire, donc attaquer Itza et tout, ça nous intéresse absolument pas. Par contre, du port, ça c'est intéressant. Alors, on est assiégé ici, très bien, l'épée de Kane a été récupérée, très bien. Ici il va y avoir une rébellion. Non, une incursion. Ici, un soulèvement. Ouais, c'est ça. On reste en mode normal. Alors là, on va commencer à bouffer de l'usure, par contre. Donc on va avancer jusqu'ici. Le plus loin possible. Est-ce qu'on peut se mettre en mode campement un peu? Non. Et alors là, par contre, il nous assiège. Il a quoi? Ah, il a des sirènes. Le éthéré, là... il peut faire chier hein, avec ses artilleurs et du mortier. Il a, en vrai, il a une armée qui peut nous mettre dans le mal. On serait sur une victoire de justesse là, d'ici on attaque. Bah, c'est parti. J'ai envie de dire. Voilà. Replie-toi, mec. Donc ici on peut construire mais on va pas se précipiter. Ici ça se développe tranquillement. Bien. Là on pourrait agrandir ça. Et chercher les chevaliers du royaume. Je vais finir par le faire hein, parce que c'est vrai que... On pourra pas faire la suite mais bon au moins en attendant... on pourra recruter de la vraie cavalerie quoi. On peut recruter des hommes d'armes d'Ast. Les chevaliers errants c'est bien mais... En attendant de débloquer ici plus de bâtiments, ce qui va quand même nous prendre potentiellement 6800 balles plus 5 tours. Et c'est pas tout de suite. On pourrait aller chercher ça pour 2000 balles donc je pense qu'on va le faire. On va le faire, on va le faire. Toi, tu te déplaces pas, c'est normal. La rébellion imminente, bah, on va la gérer comme le reste, puisqu'on va commencer à pénétrer sur le territoire. Pour l'instant, Itza, il fait chier ses ennemis. Il est déjà en guerre contre les Skaven et contre le vampire, il a pas l'air de vouloir jouer trop avec nous. Faut qu'on regarde un petit peu ce qu'on a dans la Renaissante par contre. Ça c'est cool. Il a sorti un héros mais il l'a pas mis dans son armée. Et visiblement il va aller s'occuper de peut-être Itza. Il n'y a plus que 187 factions. Ça tombe, ça tombe. Bon, le Skaven, il va probablement nous tomber dessus hein, si jamais il arrive à équilibrer les forces avec Itza. Il y a moyen qu'il nous tombe dessus. L'homme bête, par contre, il a disparu, non? Ah, non, il est toujours là. Ah non, il est tout seul maintenant. Il a dû créer une nouvelle armée. Peut-être falloir qu'on s'en débarrasse de ce con. Alors ici, pardon, je me gourde touche, on a une rébellion d'hommes lézards skink. Notre garnison est déjà en train de se refaire, ça devrait aller. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un petit peu de squelette, tiens. De squelette Khemri. Intéressant. Deux hommes bouffis, on a des murs, et on a... L'armée de Béatrice, les restes de l'armée de tout à l'heure. To victory! To victory! On peut lancer l'assaut direct. Pourquoi? Qui c'est qu'on a qui peut faire des trucs? Ah!
Ok. Grâce, il y a lui qui est assiégeur. Bon, après, on peut y aller avec des échelles de toute façon. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Alors déjà, si on continue le siège, est-ce qu'on prend de l'attrition? C'est la question. On prend pas d'attrition. Du coup... Ah ouais, mais là il a genre, ah non, s'il vient nous attaquer avec ça, on va vraiment être dans le mal. Donc non, non, on y va, ce sera une défaite valeureuse, on va la faire à la main. On va essayer de transformer ça en pas défaite. De préférence valeureuse quand même. Mais on verra ça lors du prochain épisode, on se retrouvera en bataille, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit message et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.